Bertrand Delavaux félicite l'ensemble de ses joueurs, ravi du travail accompli. Neuville de Poitou s'impose face à Monteux 7 buts à 2 et met fin à une série de 2 défaites. Un soulagement pour le coach, promu entraîneur principal de l'équipe en début de saison. Aujourd'hui, on marque les premiers, on mène le jeu, on a maîtrisé les choses. Ça fait plaisir. Après, il y a encore du travail. Aujourd'hui, si on veut aller au bout, il ne faut pas perdre un match. Donc chaque match est déjà une nouvelle compétition. C'est déjà une finale, en fait. Chaque match est une finale. À 36 ans, Bertrand Delavaux est loin d'être un inconnu dans la discipline. De ses débuts en 2005 à la fin de sa carrière, 10 ans plus tard, le gardien de Neuville soulève 18 trophées et porte pendant 8 saisons le maillot de l'équipe de France. Adjoint d'Alain Pichard l'an passé, il échange sa casquette avec l'emblématique entraîneur cette saison. Une passation de pouvoir en douceur. En tant que traîneur, d'abord, il faut être diplomate, mais il faut savoir mettre son petit grain de sel quand il faut. Il faut mettre la gueulante quand il faut. Il faut essayer de le mettre tout ça. Et puis, si on ajoute à tout ça, et ça fait un très bon entraîneur. Je pense que ces qualités-là, il les a toutes. Et je pense que si on l'écoute bien, il peut aller très très loin avec son équipe. Tant qu'on a la base, son discours fait rapidement ses preuves. Dans l'agressivité, dans l'intensité, dans la détermination, je veux que tout le monde soit au diapason. Neuville décroche en début de saison le trophée des champions. Depuis, une élimination en demi-finale de Coupe de France et 2 défaites en championnat ont un peu terni le bilan. L'apprentissage du métier. Moi, j'avais ma vision déjà en tant que gardien avant. C'est encore une autre vision ici et on n'est plus vraiment maître de son destin. Il faut jouer avec les caractères de chacun, les qualités de chacun. Et c'est pas facile, mais on y arrive. Il y a un bon groupe de gars en qui j'ai confiance. Ils ont confiance en moi, j'espère. Et j'espère que ça va durer encore un moment. Bertrand Delavaux et son équipe ont un gros défi à relever. Remporter les 8 derniers matchs de la saison pour conserver leur titre bien, les gars. De champion de France de motoball. C'est bien, les gars.